T'en es l'effet la guerre, à côté où il rêve. Des mondes meilleurs, des mondes sans douleur. Tu sentais pas cassé, tu chemin galisé. Les ripousses si la mer, et respire par l'eau de la poussière.
Deuxième fournée. Donc voilà la deuxième récolte de denrées ce matin. Fruits et légumes, donc Saint-Paul. La fraille, c'est super une étrange. Donc là on trie, du coup on fait partie fruits, légumes, après tout ça, ça va dans la chambre froide. D'accord. Et c'est redistribué le lendemain pour les colis alimentaires. Voilà, c'est nous qui composons les paniers faux légumes, donc non, c'est pas vraiment quantité exacte les fruits et légumes. C'est dans les petits cartons, on fait des petits cartons de fruits et légumes. Ouais. Donc voilà, hein, donc vous voyez, un tas de salade qui est comme ça. Ouais. Comme ça. On a juste les feuilles qui sont un peu moches. Ouais, hein. Voilà. Et c'est bon quoi. Hein. On tire un petit peu de racines. Et voilà. Et après tout ça, ça va après pour les animaux voilà, qui sont là-bas. Bonjour Annie. Bonjour. Alors apparemment vous prenez plaisir à faire ce que vous faites là. Oui. Vous faites ça tous les jours? Oui, tous les jours. D'accord. Dans les semaines, oui. Qu'est-ce qui vous plaît à faire ça? Oh, parce que j'aime bien de mon travail. Et... D'accord. Bonjour Clémentine. Alors qu'est-ce que vous trouvez comme satisfaction dans ce que vous faites là? Vous êtes bénévole ou vous êtes... Bénévole. Non, c'est bénévole. Non. D'accord, vous donnez un coup de main. Un petit coup de main de temps en temps, oui. Souvent ou... Ben, la plupart du temps, 2-3 fois semaine. D'accord. Après, des fois c'est le week-end. C'est quoi vous préférez faire le plus? C'est quand les denrées arrivent, vous faites le tri ou c'est quoi le rangement? Un peu de tout. Je range, je trie, donc ça ne me gêne pas, non. Vous avez déjà préparé les colis pour les gens? Ah, de temps en temps, oui. Bonjour Pascal. Bonjour. D'après ce qu'on m'a compris, Oulina a déjà un métier, ou un petit peu comme Clémentine, ou donne un petit peu de temps à l'association clé. Je donne un peu mon temps libre. Ça motive à où de venir à Terra tous les jours? Ben c'est avec le cœur. On y est à haute calme? Non, mais on y est pas moins. Ah bon? Juste pour offrir les gens du réconfort, un peu de... D'accord. Ce matin, ma suis va où un petit peu de bons déplacements entre la Saline, l'Ermitage, les Bains, jusqu'à Saint-Gilles. Oui. Il m'a dit que vous avez déjà attendu quelque part par le bon endroit où ça doit y récupérer les denrées. Comment se passe le contact avec les gars des supermarchés et puis aussi avec les boulangers? Le contact, déjà, ben, si on n'est pas familier, déjà, ça passe pas. Ouais. Il faut toujours avoir un bon accueil et voilà, de faire toujours un bon contact avec ces gens-là. Et voilà, après tout bon, ça. Il comprend bien. Un petit peu le rôle que vous jouez? Il comprend, des fois on plaisante un petit peu, tout ça, il comprend. Il soutient les autres bien? Il soutient nous beaucoup. Voilà. Parce qu'on m'a vu quand même qu'au niveau des. Justement, de, par exemple. Tout ce qui est pain de mie, tout ça, bon là il prend beaucoup de soin à Don Azote, toujours une petite quantité. Oui, oui. Et ça bien sûr ça fait chaud au cœur pour les gens qui vont recevoir après les colis. Hein. Voilà, ça on met dans les colis, tout ça, les fruits et les légumes, on met des yaourts aussi. Il y a du frais, on met tout dedans. Vous êtes chauffeur de métier? Chauffeur. Le fait de conduire en plus des bus, un fourgon comme ça, au niveau fatigue, vous arrivez à gérer? J'arrive à gérer. Quand vous arrivez chez vous le soir, vous vous dites, je suis satisfait de ma journée, je vais pouvoir bien dormir? Mais comme on dit, si on ne fait pas ça avec le cœur, on ne pourra pas. D'accord. Donc il faut le faire avec le cœur.
tout cas, il y a toute une organisation qui se passe ici le matin. Et un petit, la chef d'orchestre, en dehors de M. Babeuf, le président de l'association, c'est quand même Émilie. Oui, voilà. Et c'est une routine tous les jours d'envoyer les gars sur le terrain comme voilà, ça. Voilà, voilà. Vous pouvez donner les ordres, qu'est-ce qu'il y a à faire. Oui, voilà, c'est tous les matins. À part certaines fois où, comme par exemple, demain matin, vous allez avoir des matelas récupérés. Ça, c'est plutôt rare, ça, non? Oui, oui, ça arrive. Ça arrive qu'on a des trucs à récupérer, des matelas, de différents partenaires, tout ça. Des meubles aussi. Des meubles aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens, des fois, ils gagnent un appart au dernier moment. Ouais. Donc, il faut deux ou trois mois le temps qu'ils mettent les meubles. Ouais. Mais nous, en tant qu'association, les gens qui nous donnent des meubles, on stocke et puis on livre tout de suite. D'accord. Tu vois, s'il y a de la place, ben on livre tout de suite. Au niveau des meubles, ont-ils fait des récups qu'avec les particuliers ou est-ce qu'il y en a des marchands de meubles aussi qui ont des invendus ou des meubles un peu, on va dire, qu'ils ne peuvent plus vendre, qu'ils vous donnent? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, oui, des panneaux stock en fait. Ouais. Oui, ça arrive, ça arrive. D'accord. Donc voilà, on récupère ça, on met dans nos stocks et après, dès qu'on a une demande des assistants sociaux, on redistribue aux familles après. Vous êtes là tous les jours, Émilie, vous voyez un petit peu la détresse dans laquelle les gens sont actuellement. Oui. Oui. Est-ce que ça va en s'arrangeant ou est-ce que ça s'aggrave Là, avec la crise Covid, on va dire que ça a aggravé. Hein. Là, par semaine, on distribue une quarantaine de colis. Comparé à avant, c'est à peine 10 colis. Quoi. Par semaine? Oui. Là, c'est multiplié par 4, par 5. Oui, alors. Oui, oui. C'est les familles qui ont repris l'emploi. Vous livrez les gens à domicile ou est-ce qu'ils viennent récupérer ici? Ils viennent récupérer. Ils viennent récupérer. Oui, ils viennent récupérer. Donc voilà. vous êtes un élément important de la chaîne de solidarité ici à La Réunion. Ouais. Et donc, le soir, on s'endort bien parce qu'on dit qu'on a fait le bon geste pour les citoyens, pour les gens. Voilà. Bonjour Tony, depuis quand vous êtes là-haut? Ah, il fait récemment, on a même point 4 mois peut-être, je pense. Vous êtes encore en service civique? En service civique, oui. C'est où l'a choisi cette activité-là? Oui, parce que m'avait plusieurs postes en service civique et m'a décidé de postuler ici parce que m'y voit vanaille. Vous avez fait d'autres expériences avant? Ben oui, j'étais vendeur à Saint-Paul. Après, m'a travaillé un peu en restauration aussi. Et là, c'est allé dans l'humanitaire, lesquels vous préférez? Ben, humanitaire, c'est une action pour les autres. Moins fatigant? Non, mais je veux dire, même la fatigue, vous ne pas. Oui, si on fait une compte, parce qu'on fait une compte, le ressenti, on fait une compte, vous aidez les autres. Du coup, la fatigue, c'est pour les autres, on fait une compte. Il y en a ça qui collecte les aliments, les fruits et légumes, à où collecte les expériences, que ça fait toutes ces expériences plus tard? Ben, il y a pas d'amour, plus d'abord, mais après, voilà. On a intention de continuer à travailler dans ce domaine? Oui, mais c'est intéressant, oui, mais oui. D'accord. Parce que c'est un plus pour moi et un plus pour les autres aussi. Que ça, il plaît à où le plus? C'est le tri, la collecte des denrées, c'est quoi? Ben, en fin de compte, c'est un peu tout, en fin de compte. C'est aller avec les autres, faire la collecte, parce que vous rencontrez des gens sur le terrain aussi également. Mais c'est un projet, en fin de compte. Mais il pousse ces gens à venir nous aider aussi également. Si vous, par exemple, vous rencontrez une personne sur le terrain, vous dites, ouais, ça c'est du bénévole, vous gagnez, faites du bénévole. C'est un soutien aussi également pour nous, nous gagnons aide à autres, comme vous gagnez aide à nous aussi également. Bonne jeune comme vous, ils ont des consciences de ça, ils ont contribué à maintenir cette solidarité. Après, ils pensent, des jeunes, ils ne pensent pas, sans fin de compte. Maintenant, ils pensent plus à l'amusement, à amuser les autres. Maintenant, ils pensent pas s'il y a des gens en difficulté. Ils voient des personnes. Ils ont des prix, donc ils ont réagi. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'après vous, la solidarité, c'est une valeur qui est encore très importante dans la société réunionnaise? Ah oui, il faut pas larguer, il faut tenir avec. À l'heure du week-end, la fin est arrivée, alors des manières de se faire rater. Direction discothèque, comment allons-nous la